Bonjour, je suis Fadiga Karamoko, manager général des Carnot Ingénierie. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des chariots mobiles de nourriture, des transporteurs de colis cargo, made in Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire dans Au cœur du business. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune ingénieur autodidacte. Il s'appelle Fadiga Karamoko, il est ivoirien et il est à la tête de Carnot Ingénierie, une entreprise spécialisée dans la confection de chariots de vente de nourriture. Fadiga nous ouvre les portes de son atelier et va nous faire découvrir l'envers du décor et les coulisses de son business dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. Déjà, tout démarre, tout ceci commence en 2022. On a voulu lancer un restaurant et on a été confronté à un gros problème. Le problème, c'était le coût exorbitant des magasins. On nous demandait des pas de porte qu'on ne pouvait pas supporter. Les pas de porte tournaient généralement autour de 5 millions, 10 millions, voire plus. Et il fallait trouver une alternative. Et l'alternative a été de réfléchir à un modèle. Et le modèle était de mettre en place des chariots mobiles de nourriture à travers la ville d'Abidjan. Et lorsqu'on a démarré cette activité, au début, ça n'a pas été facile, c'est-à-dire il a fallu des nuits blanches à réfléchir sur un modèle. De base, je suis comptable de formation, je suis diplômé en finance comptabilité, j'ai un BTS en finance comptabilité, mais aujourd'hui, je me considère comme un ingénieur autodidacte parce que tout ce que je conçois vient de mon esprit et vient de mes recherches. Je remercie Dieu déjà pour m'avoir donné cette manière de voir les choses, de comprendre les choses facilement. Ici, tout est customisé. Chariot simple, motorisé, avec ou sans vélo, aucune demande n'est exclue. Le client est roi. Cette activité-là, on a réfléchi à un modèle. Et le modèle, le premier modèle, c'était un modèle basique où on a fait juste un chariot ordinaire, où il y avait juste à utiliser des bacs à friture sur des gaz qu'on transportait tout le temps. Et on a démarré l'activité et lorsqu'on a démarré l'activité, on a été surpris de voir l'éblouissement de tous les passants parce qu'on n'a pas voulu faire un chariot basique, très très basique. Pour moi aujourd'hui, je peux considérer que c'était un chariot basique, mais à cette époque-là, à cette date-là, c'était pas basique pour tout le monde. C'était nouveau pour les gens parce que les gens ont l'habitude de voir les gens sur les tables, bancs et autres pour vendre la nourriture dans la rue. Lorsqu'on a démarré l'activité, les gens étaient tellement éblouis qu'à un moment donné, on s'est dit « Ah ben tiens, de la manière dont les gens sont intéressés par ce produit, on s'est penché en même temps sur la question de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir des chariots. » Donc, il a fallu réfléchir à créer une entreprise spécialisée dans la fabrication des chariots mobiles de nourriture. Notre manager n'hésite pas à mettre la main à la pâte et à partager son savoir-faire avec ses ouvriers. Savoir-faire qu'il a lui-même acquis au fur et à mesure qu'il construit ses nouveaux modèles. J'ai appris le métier sur le tas. Hein. Sur le tas. En m'exerçant. Mais comme je le dis aussi, c'est à l'issue de plusieurs temps de recherche. Je passe tout mon temps à faire des recherches. Tout le temps. C'est ce qui me permet de faire tout ceci, quoi, en fait. Le succès a finalement été au rendez-vous, même s'il a fait quelques erreurs en début de parcours. De façon globale, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à réaliser localement aujourd'hui. Et l'avantage des produits locaux que nous on fait, c'est que nous sommes ici avec vous, on maîtrise la technicité. On peut acheter un produit ailleurs, je suis d'accord. Mais quand le produit est là, quand il y a un souci, on voit qui? Qui le répare? Qui s'occupe du SAV? Nous, l'avantage est que tout ce qu'on conçoit aujourd'hui, on arrive à faire en sorte qu'on soit en contact avec le client pour pouvoir résoudre les différents problèmes que le client pourrait peut-être rencontrer. À ce jour, Fadiga est à une dizaine de commandes par mois et depuis la CAN 2023-2024, la demande ne faiblit pas. Notre dynamique manager reçoit un de ses clients, tous deux parlent business et s'entendent sur la customisation à réaliser pour le chariot commandé. Oui, un truc sur pied, c'est un ça, truc là, sur ça, pied. Ça mal. L'espace là où vous allez déposer, déjà selon les dimensions que vous avez données, bon, ça passe. On avait déjà une de 60 cm. Des 60 cm en quoi? Sur une table, ok. Si on veut faire un truc de long,
Oui. Le plus long, voilà, c'est une table qui est plus long. Pourquoi vous voulez faire un truc plus long? Ah, c'est un peu à cause de la capacité. La capacité. Voilà, avec ça, on arrive à faire peut-être jusqu'à un cap poulet. D'accord. Alors que là où nous sommes, là, la demande est vraiment très, très grande. D'accord, il faut un truc plus grand en fait. Déjà, le délai de fabrication de nos chariots part de 2 semaines à 1 mois. Il arrive parfois qu'il y a des clients qui ont des urgences. Quand ils ont des urgences, on essaie de s'organiser pour pouvoir, même s'il faut travailler plus tard, pour pouvoir satisfaire le client. Parce que chez nous ici, la satisfaction du client, c'est la priorité. Et la qualité surtout. La qualité, ça c'est nos valeurs. La qualité, l'intégrité. Tout à l'heure, il y a un client qui est venu. Il voulait un équipement personnalisé. Chez nous, on peut faire tout ce que vous imaginez, on peut le réaliser selon notre capacité. Si on ne le peut pas, on ne le fait pas, mais de façon globale, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à réaliser localement aujourd'hui. On le verra tour à tour, recevoir des clients, travailler avec ses ouvriers et partager ses secrets pour bien communiquer, attirer et satisfaire la clientèle. Là, c'est Cooper Bike 2.0. C'est un chariot, c'est le même chariot là, mais au lieu de le motoriser, on est en train de faire un modèle à vélo qui aura certainement une assistance électrique pour la montée de côte. Ça, c'est le modèle qui sera le plus vendu, je pense, parce qu'il est adaptable à une moto. Et son adaptabilité lui permet d'être déplacé facilement sans même qu'on ne sache qu'il y a un poids à l'arrière parce qu'on a fait des tests dessus. Et même avec la force, moi-même ma force, je peux déplacer comme je veux. Je vais dans le sens que je veux, je vais où je veux, je peux tourner même avec, comme une voiture. Je peux tourner avec. Ça, c'est un système que nous sommes en train de faire. C'est le système de freinage. Parce que on fait en sorte que lorsque la moto est en train de tirer et que la moto s'arrête, ce petit mouvement-là soit un mouvement de freinage. Il y a un ressort ici qui va permettre aux deux roues arrière de la moto, du chariot, de freiner au même moment que la moto freine. Et ça, je pense que ça va résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes parce que même un agriculteur peut le mettre derrière sa moto, aller prendre ses affaires dans le champ, sa récolte, mettre dans le coffre, tirer. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui peut s'adapter en même temps au transport de colis, des marchandises et en même temps à la restauration comme on le fait avec les chariots. Là, ça, ce sont des cadres vélo, des cadres de vélo. Parce qu'en plus des chariots mobiles de nourriture, on fait aussi des vélos réfrigérés. Ça, c'est celui-là. Le vélo est là. Il y a une roue. Il y a la roue du VTT derrière. Il y a une roue qui est installée ici. Et il y a une roue de l'autre côté. Donc là, on est sur le vélo. Il y a le guidon là. Et on guide le vélo. Ça, c'est la toiture pour couvrir le vendeur. Cette toiture, sur cette toiture, il y aura un panneau solaire. Et venez voir, c'est ici par exemple, il sera installé tout ce qui est système solaire, c'est-à-dire la batterie, le contrôleur, le convertisseur d'énergie. Et là, on installe ici à l'intérieur un congélateur qui est alimenté par le système de batterie et le système solaire. Ça, c'est un vélo réfrigéré. Cool Bike, qui est appelé Cool Bike. C'est notre Cool Bike. Et lui, il peut coûter combien? Lui, il est à 890 000. À cause du système solaire qui est installé dessus. Et il est beaucoup pratique parce qu'on est en Afrique, hein, il fait chaud. Donc, la boisson fraîche, ça passe quoi. Et ce modèle-là, ça c'est un modèle qu'on a conçu pour pouvoir faciliter l'accès au chariot
à une catégorie de personnes. Parce que les autres chariots coûtent beaucoup cher. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à un modèle qui peut être facile d'accès. En termes de coûts, pour nous, bon, ça nous revient encore toujours cher, mais au moins, ça a permis de réduire un peu le prix du coupeur pro, qui est à 1,2 million, à 790 000, parce qu'ils ont les mêmes fonctionnalités. Mais la seule différence, c'est la structure. Lui, il n'est pas pliable, c'est-à-dire la toiture n'est pas emboîtable. Par contre, le coupeur pro, la toiture est emboîtable, ce qui nous amène à utiliser des matériaux vraiment solides qui coûtent beaucoup cher, et c'est ce qui fait que le coupeur pro nous coûte beaucoup cher. Mais on a réfléchi à un modèle qui arrive à faire les mêmes choses que le coupeur pro, mais qu'on appelle coupeur basique, pour rendre ça plus facile d'accès aux personnes qui n'ont pas 1,2 million. Celui-ci, il est à 790 000. Ça, c'est le modèle coupeur pro que je présentais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure. Le modèle coupeur pro, c'est le modèle qu'on a conçu. Il a un lavabo, il a un coffre, il est vraiment complet. Quand on dit complet, c'est le modèle le plus complet de nos chariots. Il est foldable, il est bien équipé, il est mobile. Et c'est à partir de ce modèle qu'on a conçu tous les autres modèles, à partir de celui-ci. Parce que ce modèle, nous a permis de voir ou d'imaginer autre chose. Comment innover, comment rendre facile d'accès et comment rendre facile au déplacement. Donc ici, on va venir peut-être sur celui-là. C'est bon. On va venir sur celui-là. Par exemple, vous voyez, voici, c'est le même modèle. C'est le même modèle, c'est le coupeur pro. Tout ça, tout ce qui est ici, c'est le coupeur pro. Le coupeur pro, il a son lavabo qui est là. Et en bas, il y a l'évacuation d'eau qui est en dessous. C'est-à-dire, l'opérateur, il met juste un fût en bas pour recueillir l'eau sale. L'eau sale, tout ça, ça devient des supports. Toutes les ouvertures sur le chariot deviennent des supports. Ici, par exemple, ça devient un support. Tout devient un support. Tout devient un support. C'est pourquoi j'ai dit le coupeur pro, c'est le modèle le plus complet. Maintenant, au niveau de la partie cuisson, c'est-à-dire ici, ça c'est un client, par exemple, qui a demandé un modèle où il n'y a qu'une planche à là-dessus. Il n'y a pas de bac à friture, il n'y a pas de presse-pain. Il fait du braisé, donc il n'utilise qu'une planche à. Par contre, un client peut dire, je vais faire une crêperie. Dans ce cas de figure, on a oublié d'installer des crêpières. Donc c'est à la demande. Tout ce qui se trouve sur le chariot, ou la partie feu, est fait à la demande selon l'activité que le client souhaite faire. Et quand je parlais de ça, par exemple, en termes de foldabilité, que j'expliquais tout à l'heure, la toiture, tout ça, ça se referme après. Toutes les ouvertures se referment. On referme tout. Là, on met le crochet d'attelage ici. Il y a une roue ici. Il y a deux roues à l'arrière. On accroche sur un véhicule. On déplace, on va là où on veut. Celui-là, il est à 1 200 000. C'est le modèle le plus complet. Le plus complet. Là, on est en train de le développer avec le modèle qu'on peut tracter à moto. Donc, on le transforme en plus accessible et en plus pour faciliter l'utilisation en termes de déplacement. Donc bientôt, il sera attelable à moto pour déplacer. Et la couleur chez nous ici, vous voyez, il y a différentes couleurs. Bon, le rouge domine. Bon, moi, au départ, quand j'ai conçu le chariot, j'ai préféré commencer par le rouge. Donc c'est la couleur rouge là qui est restée dans la tête de tous les clients qui venaient à chaque fois. Ah, je veux le rouge. Moi, j'ai voulu faire quelque chose qui était visible de loin. Voilà pourquoi j'ai choisi le rouge au départ. Donc, quand un client vient, il peut dire « je veux le blanc ». Moi, je connais l'environnement de l'Afrique. Je peux conseiller au client « ah, nous sommes en Afrique, il y a trop de poussière et tout ça. Il est préférable que vous ayez une autre couleur que le blanc. »
Ça peut être bleu, ça peut être vert olive. Mais il faut que ce soit une couleur flashy pour moi, en fait. Moi, mon but, c'est quoi? C'est que quand le chariot est dans un coin de rue, il ne passe pas inaperçu. Voilà pourquoi on choisit des couleurs beaucoup vives. Ce modèle-ci, c'est le Footbox. Footbox, l'idée de ce Footbox est venue comment? L'idée est venue du fait que je me suis dit, la jeunesse a besoin de travail. Et aujourd'hui, pour avoir le travail, il faut créer des moyens pour faciliter l'accès au travail. Et cet accès-là, j'ai pensé à faire un Footbox. Et le Footbox, en termes de distribution, je me suis dit, ce Footbox, je le conçois pour tisser un partenariat avec la mairie d'une commune. Et quel sera le partenariat? La mairie peut mettre ça à la disposition de sa jeunesse dans différents endroits, dans différents quartiers. Ça permettra en même temps à la mairie d'identifier des points de collecte des taxes. Ça facilite le contrôle, ça facilite la planification budgétaire. J'ai pensé ça comme ça et le lendemain, j'ai commencé à réaliser. Lorsqu'on lui demande quelle est la prochaine étape pour son business, cet ingénieur ambitieux ne sourcille pas. C'est tout simplement la conquête de l'Afrique avec ses chariots, mais également la fabrication d'équipements agricoles motorisés, toujours fabriqués dans son atelier et adaptés aux réalités des agriculteurs africains. Ça, par exemple, c'est un modèle que nous sommes en train de concevoir. C'est une mini laboureuse et on aura aussi à faire le mini tracteur également. Et cette mini laboureuse, elle a la capacité de faire beaucoup, beaucoup, parce que en termes de consommation d'énergie, elle consomme pas trop d'énergie. Et l'agriculteur aura aujourd'hui la possibilité de faire mécaniser son agriculture à petite échelle, en fait, parce que y a vraiment un problème de main d'œuvre. Je répète. Il y a un problème de main-d'œuvre en Afrique parce que ce problème-là, peut-être, c'est dû au fait que l'agriculture est un peu rudimentaire, en fait. Mais en mécanisant peut-être l'agriculture, ça peut être une bonne opportunité pour des ONG, des organisations, pour pouvoir faciliter la vie à nos parents agriculteurs. Donc, c'est un peu ça, quoi, en fait. Et puis, il est vraiment beaucoup pratique. Et à la longue, quand on va finir de faire ce prototype, même, on va faire un siège même pour l'agriculteur, il va s'asseoir sur son tracteur, tranquillement, il va labourer son champ et puis il revient à la maison. Et aussi, on va, en termes de perspective, on va l'améliorer parce que de sorte qu'il puisse en même temps débroussailler, c'est-à-dire que le même équipement puisse faire trois choses en même temps. Il puisse débroussailler, il puisse labourer et il puisse pulvériser. Je pense que c'est les trois grandes choses aujourd'hui dont l'agriculteur a besoin. Et puis, ça ne sera pas un grand truc. Ça ne sera pas aussi beaucoup cher, ça sera vraiment accessible. Notre objectif pour ce truc qu'on est en train de, ce tracteur qu'on est en train de concevoir, c'est pas de dépasser 500 000. C'est d'être en dessous de 500 000. Donc, on y travaille sur les différents matériaux qu'on utilise pour pouvoir faire en sorte que ça n'atteigne pas les 500 000. Je tenais déjà à remercier au cœur du business et à l'investisseur africain pour cette opportunité qu'ils nous ont offert, parce que cette opportunité nous crée de la visibilité et ça nous permet aussi de nous encourager à avancer dans notre activité, à booster notre activité. Merci beaucoup à l'investisseur africain et au cœur du business. Au cœur du business, on est ensemble. C'est déjà la fin de cet épisode, mais retenez que Fadiga Karamoko a eu une idée et sa détermination et son ingéniosité lui ont permis de la concrétiser. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur du business.